Il a pas changé de kilo. Une garante, allez, Cyriac. En deuxième position, le leader du classement général, Vincent Brosse, alors que Guillaume Reux, qui avait brillé en Bretagne, en militaire, on l'a vu sur le podium de Mélan, le podium de Moussoirac il y a deux ans, Guillaume Reux qui retrouve la pêche en ce moment. Alors que le cours de Kim Bertin, visible de Crevaison, temps de rentrer maintenant celui de Julien Rotelier, ancien sociétaire de Le Pouvre. 10 euros. Un téléphone portable a été trouvé entre le départ fictif et le départ réel. Alors si vous avez perdu votre portable, renseignez-vous auprès de Christian Le Bellego. Il est ici le président du trophée Job Morvan depuis plus de 20 ans. Allez, Valentin ! Allez ! Allez, Valentin ! Allez ! Allez ! Point d'interrogation pour l'instant. Viens, Marie ! Viens, Marie ! Alors Bonan en terminant 5e, alors je vais porter maintenant par les classements. Allez, nous avons classement général. Alors on est attaqué de tous les côtés maintenant. Manteo dans un premier temps et Fabenek à quelques longueurs. Vous voyez que le deuxième, troisième groupe ce matin avec un retard de 30 secondes par rapport à la tête de course. Et un quatrième peloton, donc la quatrième étape, la quatrième bosse a fait le ménage. Un quatrième groupe ici avec un retard de 30 secondes. Il l'a prouvé sur ses dernières sorties, notamment à Flomer, à Moustoirac où il était quatrième, ou encore Milizac. Bravo Titouan Fabenek. Il reste 10 euros, l'écart se creuse. On a basculé maintenant au-delà des 15 secondes. Ah, c'est vrai que Fabenek est en train de jouer là, le classement général. On rappelle qu'il est 6e au classement général avec 67 points de 10 euros. Le meilleur le copain de Fabenek, l'excellent Kakino Le Drogo. Quand on voit un nom comme Le Drogo sur une affiche, on pense bien entendu à Paul Le Drogo, l'ancien directeur sportif des équipes de l'Ouest du Tour de France. Il a dirigé les Maurice Quentin, les François Maé. Premier Fabenek, deuxième en tour. Deux tours pour l'arrivée, deux tours. Ouais. Quelle allure pour les deux leaders. On rappelle que Fabenek est deuxième au classement général avec 67 points. Le leader possède 94 points. Tout est encore possible. Par le critère. Terminé vainqueur à Plumeau en début de saison. Roger Dit accompagné du leader Valentin Brosse. Dernier tour, notre avance de 50 secondes. Fabenek emmène Manteour. Celui-ci prépare peut-être un fameux succès sur le final de Plumelin. Il se compose à l'Uro. Allez, on est en train de certain. Dernier tour. Dernier tour. Le team Bertin qui contrôle. Bien placé également. Kylian Etienne et Gilles. Un quart de siècle maintenant, l'arrivée à Plumelin. Manteour, attention, le sprint est déjà lancé aux 200 mètres. Et ça va très vite, le dernier méandre en quelques instants. On est là dans le dernier retranchement de nos deux champions. Le sprint est d'ores et déjà lancé, sûr. Avec Manteour, peut-être. Avec Fabenek, pourquoi pas. En tout cas, un verdict sans appel. Le temps du tour tout à l'heure était de 6 minutes et 24 secondes. Nous sommes à 6 minutes et 19 secondes. On peut imaginer que le temps du tour sera légèrement excédentaire. Le sprint est lancé, c'est sûr. Dans ces 500 derniers mètres maintenant, attention messieurs, l'arrivée c'est là, et le vainqueur dans quelques instants, on est à 6.30, ah, ils sont restés se regarder dans les derniers kilomètres, ah, c'est clair, c'est la victoire qui est au bout qui compte, attention, eh oui, Manteour assure, attention, c'est l'arrivée mesdames, messieurs, quel bolide, quelle victoire de Paul Montiel Manteour. Superbe. Et on a terminé sur les chapeaux de roue. Bravo, bravo Thomas. Thomas Follinet, troisième. Et sprint du peloton avec le coureur de Kevin Pasco, me semble-t-il. Wow!
le fait de participer avec les pros, je crois que c'est très très important pour la Vendée Corrigan qui se disputera de Seine-et-Lagne le 1er août. C'est vraiment un privilège pour le coureur de venir courir avec les professionnels le 1er août à Camors. Bon, si vous voulez un petit peu le programme, donc on s'est décalé d'une semaine à cause de la Coupe du Monde et du Tour de France forcément. Bon, tu as dit Julien Alaphilippe, c'est vrai que bon, c'est pas encore officiel, mais Julien, je lui ai dit de venir avec Philippe Gilbert cette année. Je vous donne la victoire. Sans signature. On les applaudit toutes les trois. Bravo, mesdemoiselles. Et on applaudit le vainqueur du classement général, Julien Guillot. C'est Lili. Le président de la Rondue de Rosanne, qui remet maintenant à Christian Mélégo, le président de ce team, de cette organisation en 4 jours de course, Colpeau de Mauréac, Moustoir et Plumelin. Christian, un fan de vélo, remet à Julien un maillot Marquette, maillot jaune de Lopminé. C'est Marquette. Bravo, Julien Guillot. On l'applaudit pendant 20 secondes. Prenons en main. Allez. Allez, c'est bien. 15 secondes. Encore plus fort. Elle est nordiste là-bas. C'est de la joie. À un moment donné, tu savais que les gars faisaient le boulot derrière. Ensuite, lorsque la reprise s'est faite, laisse reprendre. Ou toi-même, tu dis, je suis bien en classement général. Il faut faire la fin de course. Fabennec a attaqué. C'était un beau boulot pour le club, pour le team. Mais ensuite, il y avait le dernier quart d'heure. Et là, chapeau. C'est vrai que les gars ont fait un gros boulot aujourd'hui. Quand j'ai vu que Coquel sortait, j'ai tout de suite su qu'il fallait y aller. Il y avait Bigelow aussi, donc je savais que c'était deux gros costauds. Et je savais que ça pouvait peut-être aller au bout si on s'arrangeait tous les trois. Et quand on se fait reprendre, c'est vrai que je commençais à avoir la peine dure. Et quand j'ai vu Tito en sortir, j'ai tout de suite su que ça allait être beaucoup plus facile. On a bien géré, notamment avec Soren, là, on a fait un gros boulot. Et après, on a fait rouler le maillot jaune. Et du coup, avec ma pointe de vitesse au sprint, j'avais tout à gérer. Même si ça a été dur avec tous les efforts que j'ai fait pendant la course en ligne. C'est ta plus belle journée depuis que tu es cycliste. Ouais. Allez, on l'applaudit encore. Bravo Julien, superbe. C'est le championnat du monde du trampoline. Avec Julien Guillot, le vainqueur, et qui est le président depuis 25 ans, hein, c'est la 26e année. Je crois que dans une course, il y a toujours des surprises, il y a toujours de l'incertitude, il y a parfois de l'anxiété, de la déception. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble du team de l'organisation peut dormir la tête chaude et belle, parce que la journée a été superbe. Voilà, on a eu une magnifique journée, stressante pour terminer, puisque on a eu du mal à faire le classement général. On voulait être certain de donner le vrai vainqueur, pas donner le résultat à peu près. Donc oui, on est satisfaite de cette journée, satisfaite de ces 4 journées, en fait, après Colpeau, Montréal, le soir avec Léa. Et ce soir, on est très satisfait, content, un vainqueur ému. Ça démontre que le trophée a ses lettres de noblesse aussi, et que les coureurs y sont très attachés. Voilà, on est prêt à renouveler l'expérience pour l'an prochain. Ouais, je crois que c'est pour l'armée du Corrigan. Oui, au départ, avec peut-être Gilbert, peut-être Alaphilippe, peut-être Warren, c'est formidable, non? Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est une chance, c'est une principale motivation aussi pour faire le challenge, parce que c'est intéressant de trouver un peu le pro, même si c'est un petit coup d'arme d'après le cours, ça fait toujours plaisir de pouvoir courir avec toi. René, c'est presque ton voisin, c'est extraordinaire. Ouais, je suis content de voir un jeune comme ça, puis une belle équipe, parce que c'est vrai que le vélo, c'est vraiment un sport d'équipe quand on voit ce qu'ils ont fait à Bertin aujourd'hui. Je les suis sur toutes les courses, je trouve qu'ils ont la mentalité, et malheureusement c'est pas comme ça partout, mais vraiment félicitations à toute leur équipe, et puis le petit jeune là, c'est formidable. Ça, Camor. Julien Guillot de l'Endévent, le team Bertin, était à l'honneur aujourd'hui à Plumelin.